Mesdames et Messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce que le presse que j'anime en fond de parler de l'État général de la CNODC, la maison mère de Wako Bénin, en charge de la construction et l'exploitation du parc d'Aïl-Espoir, Nigeria-Bénin. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenant du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les distributeurs de pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation du cadre nigérien, ensemble avec le cadre béninois aux opérations de chargement, telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de votre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de Wako. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, vous allez vous annoncer qu'en vertu de l'article 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société Wako a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger, le pilotage du projet, au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse, les informations que j'ai voulu partager avec vous.